Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième cours de peinture avancée en période de confinement. Alors j'encourage vraiment les visiteurs qui nous rejoignent à regarder les précédents tutos. En effet, il s'agit d'une pédagogie qui est progressive de semaine en semaine et donc c'est important d'avoir vu les tutos d'avant avant de nous rejoindre aujourd'hui puisque je ne reprends pas tout depuis le début à chaque fois. On a travaillé depuis quelques semaines sur la question du contraste coloré. D'abord, j'ai énuméré et expliqué les différents types de contrastes qu'on pouvait trouver dans une peinture et que les artistes utilisaient. On s'est ensuite concentré sur la question du contraste du clair-obscur, puis la semaine dernière sur la question du contraste complémentaire. Aujourd'hui, on va monter un portrait en pose longue. Alors, par pose longue, j'entends 3 heures. D'accord? On va donc travailler quand même un peu le processus pictural, mais il ne va pas s'agir d'un portrait en 25 heures tel que pouvaient le faire les artistes à la Renaissance, hein. C'est vraiment une version accélérée de ce processus pictural en 3 heures. Et donc on va monter un portrait en pose longue, on va essayer de choisir vraiment activement sa palette, et je vais vous faire une proposition donc de 3 portraits différents avec 3 palettes différentes. Une première palette assez classique dans des tons plutôt ocre, ocre jaune, rouge, brun, avec un contraste de clair-obscur. Une deuxième palette un peu plus complémentaire mais qui reste quand même relativement classique. Et une troisième palette beaucoup plus complémentaire et beaucoup plus boostée, un peu plus impressionniste en termes de rendu. L'idée, c'est qu'à l'issue de ces démos, vous créez un portrait en assumant vraiment la palette que vous allez mettre en place dans ce tableau et que vous compreniez un peu les enjeux justement des couleurs qui sont utilisées. Voilà, au niveau de nos documents d'origine, vous êtes parfaitement libre de choisir le portrait d'après lequel vous voulez travailler. Vous pouvez travailler avec un miroir et faire un autoportrait, d'accord? Dans ces cas-là, attention quand même à la luminosité dans la pièce. Vous pouvez utiliser sinon une photographie de vous ou d'un de vos proches, mais attention encore une fois au contraste et à la lumière sur cette photographie. Ou vous pouvez sinon utiliser un tableau de l'histoire de l'art et vous le réapproprier. Je tiens juste à vous dire que quand on est dans l'apprentissage, quand on est dans l'exercice, c'est compliqué de se concentrer sur tous les sujets en même temps. Voilà, moi je crois beaucoup dans le fait qu'il faut dissocier les apprentissages. Il y a des moments d'apprentissage où on se concentre sur telle ou telle chose, et puis ensuite il y a des moments de création où on oublie tout ce qu'on a appris pour simplement être dans le faire. Bon, là on est dans l'exercice. Ce qui fait que si vous choisissez un autoportrait ou le portrait d'un proche, si vous voulez vraiment vous concentrer sur la couleur, il va falloir que vous lâchiez un peu prise sur la construction, que vous lâchiez un peu prise sur la ressemblance. Vous faites de votre mieux quand vous construisez. Évidemment, vous êtes concentré, vous êtes exigeant, mais si on veut pouvoir se concentrer sur la couleur, il va falloir se détendre un petit peu sur la question de la ressemblance et de l'expression. Sinon, on va un peu passer à côté de l'exercice, vous risquez de vous énerver parce que ce portrait n'est pas à la hauteur de votre exigence. Donc attention quand même au choix de votre document. Restons bien concentrés sur la question de la couleur. Allez, on y va donc pour ce premier portrait. Alors, au niveau de la construction, là, c'est des compétences de dessin, je ne vais pas revenir dessus. En tout cas, vous pouvez très bien construire de manière plus précise et plus poussée au crayon fusain. Et ensuite revenir confirmer au petit pinceau votre dessin, ou alors faire comme moi, être un peu plus à l'arrache. Moi, je suis un peu prise par le temps, voilà, je me suis un peu dépêchée, donc mon portrait est correct, mais il n'est pas parfaitement ressemblant. Je suis partie d'un portrait de Van Dyck, et donc voilà, là j'utilise une couleur brun rougeâtre, donc du brun de Van Dyck et de la terre de sienne brûlée, pour construire mon dessin. Et pour ceux qui font comme moi et qui n'utilisent pas de construction au crayon avant, c'est pas grave du tout qu'il y ait des lignes un peu parasites, il n'y a aucun problème. Vous voyez aussi que je travaille ici sur une primature verdâtre. Donc, je vous ai déjà dit que la primature, c'était vraiment une bonne possible, une bonne option. C'était vraiment une bonne option pour avoir une atmosphère générale qui se dégage du tableau, pour lier les choses en fait. Mais vous pourriez très bien faire ce même exercice sur un fond blanc. Il n'y a absolument aucun problème. Alors pour ce premier portrait, je vous propose aussi un processus pictural. Il y a autant de processus picturaux qu'il y a de peintres. Celui-là fonctionne bien. Vous pouvez l'utiliser. Il s'agit de monter d'abord les tons moyens partout, puis de monter en balancement les tons clairs, puis les tons sombres, les tons très clairs, puis les tons très sombres, les tons extrêmement clairs et les tons extrêmement sombres. Donc on monte comme ça en balancement. Donc je commence avec un ton, je commence avec le ton moyen du front. Il faut savoir un truc intéressant, c'est que dans le portrait, les tons moyens varient selon les zones. Dans le front, le ton moyen est en général plus jaune, orange ou éventuellement plus jaune bleuté, alors que dans les joues, il est plus rouge et éventuellement au niveau de la base, des lèvres pour les hommes, il va être plus violacé. Voilà, donc je cherche d'abord le ton moyen de mon front
et je vais utiliser un ocre jaune, du jaune de Naples, du blanc de titane et une pointe de terre de sienne brûlée pour quand même faire en sorte que ça pas trop trop jaune non plus. Donc je place ce ton moyen sur mon front et une fois que j'ai placé le ton moyen sur le front, je m'attaque au ton moyen de la joue qui donc là est un ton plus rougeâtre dans lequel je mets donc plus de terre de sienne brûlée, c'est presque le même hein. Mais je mets plus de terre de sienne brûlée et je mets une pointe de rouge cadmium clair éventuellement. Je cherche aussi le ton moyen des cheveux. Et dans ce ton moyen des cheveux, c'est quand même plutôt de la terre verte, du brin de vindique, éventuellement une pointe de terre de sienne brûlée pour le désaturer un petit peu. Mais je pourrais aussi y mettre un peu de bleu outre-mer, éventuellement. Je cherche aussi le ton moyen de la collerette, qui est donc là une sorte de gris bleuté, c'est-à-dire du brin de vindique, du blanc de titane, un peu de terre verte et du bleu outre-mer, que je peux aussi éventuellement désaturer avec une pointe de jaune ou une pointe de rouge si c'est trop fort. Je cherche aussi le ton moyen du vêtement. Alors là, pour le vêtement, ainsi que pour l'arrière-plan, il n'y a qu'un seul ton. Donc pour le vêtement, c'est quasiment un noir, mais je vais décider de faire un noir assez froid avec du brun de vindique et du bleu outre-mer, alors que je souhaite avoir un arrière-plan plus chaud. Donc pour mon arrière-plan, j'utilise du brun de vindique, du bleu outre-mer pour bien être sombre, mais je rajoute de la terre de sienne brûlée pour avoir un brun rougeâtre extrêmement sombre. Alors ici, on ne parle pas de touche, hein, donc vous y allez, voilà, vous posez pas la question pour l'instant, vous posez pas trop la question de la touche pour l'instant. Travaillez plutôt avec un pinceau de taille intermédiaire, puisqu'il s'agit là quand même de poser ce ton moyen partout. On parlera de touche dans quelques séances. Notre deuxième étape maintenant, c'est de poser notre ton sombre. Maintenant qu'on a passé le ton moyen, on va placer le ton sombre. Donc, au niveau de la couleur de chair moyenne, eh bien... Donc au niveau de nos joues, de l'obscurité qu'on va trouver sur la joue, sur la majorité du visage, c'est pas le ton très sombre qu'on cherche, hein, c'est le ton sombre. Donc on va simplement utiliser la couleur de chair moyenne qu'on avait dans la joue tout à l'heure, cette espèce de rouge ocre, et on va lui ajouter de la terre verte, ce qui fait que ça va le refroidir et lui donner la couleur de l'obscurité sans trop l'obscurcir. Donc je prends la couleur de chair de tout à l'heure, j'y ajoute de la terre verte et ça me crée ma couleur d'obscurité. Je vais dans la collerette chercher un gris bleuté, donc plus sombre que tout à l'heure, le même mélange, mais en gros, on a moins de blanc de titane, plus de brun de vindique, de bleu outre-mer et une pointe de terre verte. Dans les cheveux, en revanche, ce ton sombre, il est quasiment noir, donc brun de vindique et bleu outre-mer. Et puis, le ton sombre du front, bah, comme le front est plus jaune-orange, forcément, le ton sombre du front, il est un peu plus bleuté. Donc, au lieu de... Donc je vais utiliser ma couleur moyenne du front tout à l'heure, mais je vais y rajouter un petit peu de bleu et un petit peu de brun pour bien l'obscurcir, mais surtout bien rester en complémentarité colorée. Et donc sur la tempe à droite, j'ai cette couleur qui rend une sorte de gris en fait. Hein. Et cette espèce de gris, je le retrouve quand même un peu aussi au niveau des arcades, au niveau des poches sous les yeux. Je passe au ton sombre de la barbe et de la moustache, qui là est un... Bon, c'est pareil, on utilise la couleur moyenne de la barbe et de la moustache tout à l'heure, mais on y rajoute du brun, pour en faire une couleur quand même assez sombre, presque noire. Et puis, je vais aussi utiliser maintenant un petit pinceau plutôt de terre de sienne brûlée, plutôt assez rougeâtre. Et je vais venir redessiner, redonner du dessin et du détail pour pas perdre mon dessin. Donc, je vais pouvoir réintervenir dans le détail de l'ourlet de l'oreille, du nez, etc. Et l'ombre portée du nez et dans l'oreille sont... c'est un ton sombre un petit peu plus rougeâtre. Donc, si on le compare avec le ton sombre de tout à l'heure, qui était un peu plus verdâtre, là, je vais mettre plus de terre de sienne brûlée pour qu'il soit un peu plus rougeâtre. Donc, l'ombre portée du nez et dans l'ourlet de l'oreille et éventuellement à l'intérieur des orbites, là où c'est vraiment très sombre. Alors, moi, j'ai fait ces deux étapes-là, ton moyen et ton sombre, quand même de manière assez gestuelle, assez un peu brutale. Vous pouvez être beaucoup plus minutieux, mais ça prend évidemment plus de temps. En tout cas, à la fin de ces deux étapes-là, on pourrait très bien attendre que ça sèche. Attendre 2-3 jours ou... On pourrait très bien attendre 2-3 jours que ça sèche pour venir monter les étapes du dessus. Nous, on travaille là complètement à prima. Donc, on va monter des épaisseurs de peinture par-dessus la peinture déjà mise. Ce qui veut dire qu'on doit être plus épais. On doit être plus épais et on doit faire attention à déposer la pâte sans arracher la couche du dessous. Donc, vraiment, là, on est dans du geste de dépôt avec une pâte un peu plus crémeuse. Maintenant qu'on a le ton moyen et le ton sombre, on va monter le ton clair.
Alors, au niveau du front, notre ton clair, hein, c'est donc le même ton clair qu'on avait tout à l'heure, simplement on y rajoute du blanc de titane et on y rajoute éventuellement un peu de jaune de Naples. Et si c'est trop saturé, hein, on désature, rappelez-vous toujours avec la complémentaire. Donc on va poser vraiment ces taches de lumière dans le front, dans les poches, sous les yeux, dans la paupière, sur la pommette, etc. Le ton clair de la joue, lui, est davantage rosé. Donc, c'est pareil, c'est le même mélange, le ton moyen de tout à l'heure, dans lequel on rajoute de blanc de titane et dans lequel on peut aussi rajouter éventuellement une pointe de rouge cadmium. En tout cas, il faut vraiment que ce rose soit plus clair que le ton moyen qu'on avait en dessous et qu'il reste quand même assez rose-rouge. Ce que vous pouvez faire quand vous avez fait ces deux étapes-là, c'est que vous pouvez lisser. C'est-à-dire que là, on a déposé nos valeurs avec un pinceau vraiment par tâche. Maintenant, vous pouvez utiliser un pinceau très souple, l'humecter légèrement dans le médium et venir vraiment flouter pour que le ton clair vienne se flouter, vienne se mélanger dans le ton moyen qui est juste à côté. Donc là, vous pouvez lisser au fur et à mesure que vous peignez. Voilà. Ou vous pouvez attendre la fin du tableau pour tout lisser. Moi j'aime bien lisser par étapes, mais on pourrait aussi ne pas du tout lisser et garder beaucoup de gestes apparents, il n'y a aucun problème. Et une fois qu'on a travaillé ce ton clair dans le front et dans les joues, on va monter le ton clair dans absolument toutes les zones de ce tableau. Là je reviens un petit peu sur la bouche parce que j'avais un peu zappé la bouche tout à l'heure, donc je suis revenue remettre un ton moyen sur la bouche, plus un ton sombre, plus un ton clair. Et je reviens éventuellement au petit pinceau avec les trois tons de peau toujours, venir un peu redessiner les yeux. On va aussi mettre donc un ton clair sur cette collerette qui va là être quasiment du blanc, mais c'est toujours un blanc un peu grisé, un peu bleuté. Et dans la barbe et dans les cheveux, on a aussi quasiment hein, le même genre de couleur, peut-être un poil plus jaunâtre, parce que c'est toujours assez jaune en fait les poils, dans la barbe en tout cas. On va venir mettre le ton clair dans la barbe et dans la moustache. Et on va aussi venir dans les cheveux mettre ce ton clair un petit peu plus bleuté éventuellement dans les cheveux. Alors vous avez vu, on est parti d'un ton moyen, on a monté un ton sombre, maintenant on a monté un ton clair. On pourrait maintenant monter le ton très sombre et ensuite monter le ton très clair, mais c'est pareil, hein, c'est le même principe, hein, dans l'ordre, dans le désordre, ça marche. L'important c'est de monter progressivement. Là, moi j'attaque le ton très clair. Donc ce front, il est plus jaune. Je vais travailler avec, on est quasiment dans du blanc de titane pur, mais alors c'est pas du blanc pur, hein, mais c'est beau, quand même une très grosse proportion de blanc avec une pointe de jaune. Je pourrais utiliser du jaune de Naples, mais le jaune de Naples ça teinte pas énormément, hein, les jaunes de Naples de bonne qualité c'est difficile à trouver, donc je vais plutôt mettre une pointe de cadmium quand même là-dedans, histoire que ça brille bien, et de jaune cadmium pardon, et donc je vais placer ces gros accents de blanc vraiment en grosses taches que je lisserai ensuite. Que je lisserai ensuite avec mon pinceau souple et propre si j'en ai envie. Évidemment, vous adaptez la taille de votre pinceau à la zone que vous devez traiter. Au niveau des poches, là, sous les yeux, on aurait des toutes petites lignes, des tout petits accents à mettre. Donc, il faut évidemment avoir des beaucoup plus petits pinceaux. Moi, j'ai fait ça, voilà, un peu avec le même type de pinceau. Dans les joues, dans les oreilles et dans les paupières, ce ton clair, il est un petit peu plus orangé. Il est un petit peu plus, il est un petit peu plus orangé. Faut pas hésiter à mettre une pointe de rouge cadmium, même un peu de vermillon, une pointe de jaune, pour avoir. On est toujours dans une valeur qui est très claire, mais qui n'est pas aussi blafarde. Voilà, qui est beaucoup plus orangé, beaucoup plus chaude. Je viens aussi travailler le fond d'œil que je n'avais pas traité tout à l'heure. Alors la couleur du fond d'œil, c'est un jaune un peu sale, un jaune un peu grisé. Il se travaille en plusieurs passages, hein, le blanc d'œil, mais c'est très important d'être maigre dans le blanc d'œil. Attention, hein, le blanc d'œil, il faut pas qu'il soit trop épais. Hein. Donc une espèce de jaune grisé un peu sale. Et puis je viens aussi dans la barbe et les cheveux avec mes accents de lumière les plus forts, donc toujours dans le même type de couleur. Pour les cheveux, un blanc très légèrement gris bleuté. Pour la barbe, un blanc très légèrement verdâtre ou jaunâtre. Et pour la collerette, un blanc bleuté également que je mets vraiment par accent et c'est quasiment du blanc pur. Et donc on passe au ton très sombre. Alors là il s'agit vraiment quasiment de noir, mais ça reste quand même plus chaud qu'un noir. C'est plutôt du brin de vindique et de la terre de sienne brûlée. Une pointe de bleu outre-mer. Et on va venir raconter
quelques zones dans les paupières qui sont vraiment très très sombres. On vient surtout raconter la ligne des cils, le contour de l'iris et la pupille. Et on peut venir aussi raconter le trou de nez, quelques poils vraiment très très forts dans la barbe, la découpe par endroits du visage sur la collerette et quelques zones vraiment très très sombres dans l'oreille. Voilà, sachant que dans l'oreille, on est toujours plus rouge et plus orangé, hein. Donc évidemment, ces zones d'obscurité très fortes sont des toutes petites zones, donc il faut utiliser un pinceau de plus en plus petit. Hein. De manière générale, plus on avance dans la peinture, plus on utilise un pinceau petit. Et pour terminer, éventuellement, si il me reste des accents très clairs à mettre, c'est-à-dire quasiment des blancs, vraiment encore plus clairs que le très clair qu'on a mis avant, on peut mettre un accent très clair sur le bout du nez, dans la brillance de l'œil, éventuellement les dernières brillances du front les plus fortes, les glandes lacrymales brillent aussi, la lumière sous l'œil vient bien briller, un petit coin aussi dans le fond d'œil. Alors moi au niveau de ma construction, j'ai été quand même un peu trop rapide, mes yeux sont pas nickel, hein, ils sont pas parfaitement alignés. En tout cas, pensez bien à bien chercher l'axe entre les deux coins d'yeux internes et à bien travailler les yeux par les masses de couleurs et de valeurs. À la fin de cette étape, bien sûr, je peux lisser. Je pourrais passer beaucoup de temps à lisser pour avoir vraiment des modelés très doux. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Le conseil que je vous donnerais, c'est de ne pas lisser. C'est-à-dire que quand vous réussissez à avoir une œuvre qui est cohérente sans lissage, vous le voyez bien que ça fonctionne. Et souvent, le piège, c'est qu'en lissant, vous perdez toutes vos valeurs et toutes vos couleurs. Vous finissez par tout fondre, en fait, ça devient un peu une patinoire et vous perdez et vos couleurs et vos valeurs et donc vos volumes. Donc j'ai plutôt tendance à conseiller à mes élèves de pas énormément lisser pour bien conserver le contraste. Je reprends aussi mon arrière-plan que je vais noircir, donc brun de Vindique, bleu outre-mer, et je vais rajouter quand même une obscurité un petit peu plus rougeâtre, un petit peu plus violacée entre la collerette et l'ombre portée du visage sur la collerette et l'ombre portée de l'oreille sur la collerette. Je vais être un petit peu plus violacée. Alors là, on a travaillé totalement à prima, donc je vous ai dit qu'il faut faire attention à bien déposer la pâte et à pas frotter avec le pinceau, sinon on arrache les couches du dessous, sinon ça patine, ça n'accroche pas. Et puis évidemment, dans la peinture, on aurait des tonnes de choses merveilleuses à faire au pinceau sec, c'est-à-dire très épuisé, très poussiéreux, ou au glacis. Mais ça nécessite un temps de séchage que nous, on n'a pas aujourd'hui. Donc, la question du pinceau sec et la question du glacis, on en parlera à une autre occasion. En tout cas, voilà comment monter un portrait à la prima. Moi, j'y ai passé à peu près 35-40 minutes, vous allez avoir plus de temps. Et évidemment, en 35-40 minutes, on peut pas avoir le même résultat que en 2 semaines. Voilà, il faut bien être clair sur ces objectifs, pas se fixer des objectifs inatteignables. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour travailler une autre palette possible pour ce portrait.